Les gars, aujourd'hui, très make-up tutoriel, like what? Do you know me? Like, do you know me? Yo, cast make-up on the beat, like where everybody's late. Oh, come on. Just what? Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est l'heure de Jessica, c'est mon gars, mais so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un tuto make-up. Mais bon, un tuto make-up, vraiment un tuto make-up. Il y a plein de gens sur YouTube qui font des tuto make-up, je sais pas, genre tuto make-up premier date, tuto make-up pour aller à la plage, je sais pas. Guettez-moi le tuto make-up que je viens vous faire. Guettez le tuto make-up que je viens vous faire. Qui d'autre pour faire un make-up, un tuto make-up de ce genre-là? Qui peut? Bon, arrête, je parle comme si c'était une fierté, c'est pas juste une fierté ce que je suis en train de faire là. Je vais vous apprendre une technique assez particulière, une technique très particulière. Non, j'ai rien de ouf, je raconte que de la merde, I'm sorry. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, il y a un bouton d'Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir, thank you guys. Bon les gars, je vous dis la vérité, c'est que pour mes vendredis soirs, en général je me maquille pas, j'ai pas que ça à faire, je vais pas me maquiller alors que je vais me faire soulever et qu'en plus ça je vais transpirer et qu'à tout moment ça coule partout, mais... Je vous dis la vérité, c'est que souvent, il y a des messieurs qui viennent, qui sont très très, on va dire, appétissants. Et que pour le coup, j'ai envie de faire un minimum. Tu vois, j'ai envie de faire un minimum, même pour moi-même, j'ai envie de me dire que Krari, en mode là, je sais que je vais slay. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Tout ce que je fais, c'est un peu mes atouts, c'est un peu mon artillerie, c'est un peu mon Krari. On va dire que dès que t'arrives, je te mets dans l'ambiance, tu vois ce que je vais dire ou pas? Donc on va dire que un peu Krari, mon make-up, c'est un peu la base. C'est Krari, l'entrée de Krari. Quand t'arrives, tu me regardes, tu dis ouh, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, il faut savoir que je ne fais pas ça pour l'homme. Je ne fais archi pas ça pour l'homme parce que qui va se casser la tête pour l'homme? Never. Personne ne doit se casser la tête pour un homme. Personne. Genre, no one. Donc, du coup, il faut savoir que je fais ça pour moi. Pour moi, personnellement. Pour moi, first. Pour me, myself, and I. Ok? Je sais pas pourquoi je fais ça. À chaque fois que je veux dire un truc et qu'il y a un truc qui vient, il y a un son qui vient dans ma tête et je commence à chanter. I'm sorry. Non. Bref, donc du coup, vous avez compris que je fais ça pour moi, principalement. Il y a des make-up que je peux prendre plus de temps à faire et tout. Je me casse la tête pour faire un petit make-up carré joli, que carré quand t'arrives et tout. Tu trouves que tu vois une princesse en face de toi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais, d'après moi aussi, j'abuse parce que c'est toujours à partir de minuit 30, 1h du matin, 2h du matin, 3h, 4h, que mon ventre commence à sortir les crocs. Genre, mon ventre, il est comme ça, il est prêt à manger. Le problème, c'est qu'à partir de ces heures-là, excuse-moi, mais qui est prêt, ready? Qui est prêt comme ça? Genre, je sais pas, tu t'es supposé dormir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, mon corps, il ne faut pas dormir. Donc, du coup, s'il y a un gars qui m'envoie un message à ces heures-là, je dois créer un quick make-up. Parce que sur mes photos de Grindr et compagnie, je ressemble à ça, ou encore à ça, ou encore à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pas Krari, il arrive devant moi et je ressemble à ça, ou encore ça. Never. Déjà, moi-même, le premier, je suis en train de dire que moi, si tu ressembles pas à tes photos, excuse-moi, tu prends tes bagages et tu te casses. Ne fais même pas l'effort de faire le chemin. Tu vois, Krari, tu rentres pas chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, moi, si je parle comme ça, je suis obligé de, on va dire, entre guillemets, assumer ma règle. Dans ces heures-là, je dois créer un quick make-up. Un quick make-up, et le quick make-up, c'est le quick make-up que Krari en mode t'as 5 minutes pour le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais vous apprendre ce quick make-up là parce que je pense que c'est le plus intéressant. Parce que quand vous savez que vous allez être avec votre gars et tout, ou votre plan habituel, vous allez prendre votre temps et vous allez laisser parler votre créativité, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais bon, moi je vais vous apprendre mon quick make-up pour se faire soulever un vendredi soir. Donc du coup c'est parti, j'ai déjà préparé ma peau, j'ai mis ma crème hydratante et tout parce que tu connais, voilà, la crème hydratante, important. Pour ce make-up là, ce qui est important, c'est la quantité de matière que tu vas poser sur ton visage. Important. Pour ce quick make-up là, on met pas trop de fond de teint, on met pas trop de blush, on met pas trop de nanana. Parce que qui veut avoir une trace de fond de teint sur son oreiller pendant les bails? Ou imagine que tu commences à transpirer et ta transpiration elle commence à couler, ça te fait une grosse tache de fond de teint et tout. Qui veut ça? Personne. Donc du coup, enfin je pense, après c'est des gens qui veulent, bah... That's for you. Quand je sors et tout, et quand je fais mes trucs et tout, en général, je mets ce stick fond de teint, mais il est super gras et c'est chaud de, on va dire, de le fixer et que ça reste très longtemps, chose que dure ou pas. Pour les vendredis soirs, ce que je mets plutôt le Born This Way. Le Born This Way, il est beaucoup plus léger et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'huile que les stick foundation de chez
de chez Juvia's. Donc du coup, je mets le Bounty Spray de Too Faced. Ma teinte, c'est quoi? Ma teinte, c'est Hazelnut. Regardez la quantité que je mets. Regardez bien la quantité que je mets parce que c'est très important. Oh! Vous voyez ce que je viens de mettre là? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Attendez. Vous voyez là? Voilà la quantité de fond de teint que je mets. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. En vrai de vrai. Non, je pense que j'en rajoutais un tout petit peu parce que franchement, j'ai abusé pour le coup. Un tout petit peu. Vraiment une toute petite. Je crois que tu mets une demi-pompe. Après, là, au lieu de faire comme d'habitude où carré, je mets mon fond de teint un peu partout. Je mets vraiment à des zones où on va dire entre guillemets que je veux couvrir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, je mets en général autour de ma bouche. Là, tac tac. Je mets deux points, tac tac. Et après, je mets sur là. Et là. Et j'essaie un peu de dispatcher, on va dire, ce qui me reste. Là, ce qu'on va dire, c'est que franchement, on dit la vérité, c'est qu'on ne cherche pas la couvrance. Là, pour ce make-up-là, on ne cherche archi pas la couvrance. On cherche tout, juste d'essayer d'avoir un espèce de teint uniforme, ok? Donc du coup, je commence par là. Vraiment, on ne cherche pas du tout la couvrance. Et vous voyez un peu ce fond de teint, j'ai l'impression un peu de fond de teint peuvent couvrir quand même une grande partie. Enfin, couvrir. Fait quand même un bon chemin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Juste histoire de unifier mon teint et avoir un petit teint, comme on va dire, assez... Oula, la lumière, la luminosité, qu'est-ce qu'elle me fait? Dépêche-toi. Très très bien. Juste histoire d'avoir un espèce de teint, on va dire, lumineux et aussi... uniforme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors là, pour ce make-up là, on va oublier tout ce qui est concealer, on va oublier tout ce qui est bronzer, on va oublier tout ça. Là, on ne fait rien de tout ça. Là, ce que je viens de faire là, je vais set mon teint et ça s'arrête là. Si vous avez une poudre qui est translucide, encore tranquille. Mais moi, j'ai pas de poudre qui est translucide. Ma poudre, elle est comme ça, elle est teintée. C'est toujours la Bondi Sway de chez Too Faced. Et la teinte, c'est medium. Donc du coup, forcément, la teinte, elle est teintée. Donc du coup, ça fait que quand je vais la mettre, faut pas que j'en mette trop parce que à tout moment, ça rajoute de la couvrance et à tout moment, ça rajoute de la teinte. Je sais toujours pas. Donc quand tu vas sur tes draps et que tu commences à vouloir rouler sur tes draps, t'as de fortes chances qu'il y ait une trace qui apparaisse. Tu vois. Donc du coup, j'en mets un tout petit peu juste histoire de matifier mon teint. Et aussi, de, on va dire, set le fond de teint que je viens de mettre, même si c'est peu. C'est juste histoire aussi de le set, parce que j'avais toujours pas, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Et voilà, un teint mims, un teint très très mims, pas too much, toujours un peu glowy, pas super super mat, carré en mode, c'est make-up, mais sans make-up, genre pas trop make-up, mais make-up utilisé quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carré, là t'as créé un look, genre tu penses que t'es pas maquillé, ou genre tu sais pas si t'es maquillé, mais en vrai de vrai t'es maquillé, mais tu restes un peu comme naturel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais que t'as compris ce que je voulais dire. Donc du coup, là ce qui est très très important pour moi après, on va dire que c'est pas important pour tout le monde parce qu'il y a pas mal de gens qui en ont et que moi j'en ai pas. On va voir si vous me connaissez bien. Qu'est-ce qui est important pour moi right now, tout de suite? Je vous laisse 3 secondes pour commenter. 1, 2, 3. Et oui, c'est les sourcils, MDR. J'ai dit ça, ça se trouve, il y a plein de gens qui se sont trompés. Si je dis que se sont trompés, la honte pour vous, parce que franchement, qui va faire les bails avec des sourcils manquants, genre? Qui? Ah, mis à part ceux qui ont déjà des sourcils, hein, ceux qui ont des sourcils, bravo à vous. Mais excusez-moi, moi je n'ai pas de sourcils naturels, donc du coup, je dois m'en faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Je sais même pas si j'ai déjà fait une vidéo vous montrant comment je fais mes sourcils. Mais bon, qui veut regarder une vidéo où je fais mes sourcils? Parce que mes sourcils, ils sont super noirs, ils sont super arqués, ils sont super vénères et tout. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait des gens qui veulent faire les mêmes sourcils que moi. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Suite aux vidéos précédentes où mes potes ils m'ont maquillé, franchement, ils ont niqué mes sourcils, ils ont rien fait de bien. Donc du coup, je vais vous montrer comment moi, personnellement, je les fais. Après, je comprendrai que la façon dont je les fais, vous pouvez la trouver un peu flippante ou un peu too much ou un peu forte. Mais bon, c'est comme ça que j'aime mes sourcils, surtout que de base, j'en ai pas. Donc du coup, je préfère en avoir un maximum. Le gel à sourcils Wonder Bro, un jet black, mon pinceau à sourcils et that's all. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher. Je pense que c'est mieux si je vous rapproche. Non, comme ça, vous pouvez bien voir. Oh my god, là, je vous ai vraiment rapproché un maximum. Vous verrez à quel point ma peau, c'est la catastrophe. Et donc, du coup, vous avez, j'ai l'impression que quand même ma peau, c'est pas si la catastrophe pour ça. Vous allez être nombreux à me dire, ouais, t'as une peau, mais il faudrait que tu la traites, etc., etc. You guys, vous pensez vraiment que je me réveille tous les jours en ne sachant pas que ma peau, c'est la catastrophe? Je le sais pertinemment, mais il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas. Et moi, depuis la dernière fois où j'ai vu une. Comment elle s'appelle? Où j'ai vu une meuf qui traite la peau là. Les gens qui traitent les peaux là, comment ils les appellent?
dermatologue, depuis que j'ai vu une dermatologue, franchement, ce qu'elle avait fait à ma peau, moi j'en ai encore des traumas. Je suis traumatisée de la dermatologue qui m'avait conseillé de faire le bail de cure acné, je sais pas quoi. Ça m'avait niqué mon visage pendant 8 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai peut-être le i quelque part là. Allez voir mon visage à l'ancienne, vous allez être choqués, ok? Donc, du coup, vous allez devoir bear with me et vous allez devoir regarder ma peau dans ces conditions, ok? Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Je vous ai pas entendu. Ok, c'est ce que je préfère. Merci. Vous savez très bien que mes sourcils, c'est jamais la même chose. Vous savez personnellement, mes sourcils, c'est jamais la même chose. Il y a des fois où ils sont plus courts, il y a des fois où ils sont plus épais, il y a des fois où ils sont plus foncés, il y a des fois où ils sont moins foncés. C'est la catastrophe. Donc du coup, ce que je fais, c'est que Crary, en mode, je fais d'abord une espèce de trait ici, vous voyez. Je ne mets pas à l'avant parce que quand je vais, on va dire, estomper avec mon goupillon, c'est ça qui va me donner cette espèce de petite ombre, Crary. J'en mets pas trop. Franchement, les gens ils pensent trop que j'en mets trop, j'en mets pas beaucoup. En mode là, il y a mon trou, donc je saute mon trou. Je vais jusqu'ici. Et là, je refais la même chose. Je refais la même chose. Et je commence à shape la fin de la queue de mon sourcil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Imagine, j'arrive à vous raconter des bails et tout, et au final, mon sourcil va être dégueulasse. Mais bon. Rémi m'avait dit que mon trou il était trop grand ici, mais moi j'aime bien quand il est grand. Qui a un petit trou ici? Moi j'ai pas un petit trou, donc du coup, j'aime bien quand mon trou il est grand. Donc du coup, je le fais grand. Donc du coup, je commence par le bas. Je rapproche mon sourcil vers l'avant sans trop rajouter. Je sais ce que je veux dire ou pas. Je vais pas trop loin. De toute façon, le bas, c'est pas trop grave. Parce que si le bas, encore à la rigueur, tu fais trop large, avec le concealer, tu pourras, on va dire, corriger. Je sais ce que je veux dire ou pas. Mais donc du coup, là, tac. Là, je fais la même chose ici et je fais une petite pointe. Je commence là et là, je mets la petite pointe, tu vois. Là, je fais doucement parce que Crary, je parle avec vous, tu vois, mais en général, je fais ça en crac, tu vois. Et là, je fais la même chose au-dessus. Je vais pas trop haut. Là, j'ai un peu foutu la merde, tu vois ce que je veux dire ou pas. Là, j'ai un peu foutu la merde. En général, je ne nettoie pas au-dessus, tu vois. Surtout quand j'ai déjà fait mon teint. Non, là, les gars, là, j'ai un peu foutu la merde. Vous voyez, là, j'ai foutu la merde. Là, je sens que j'ai foutu la merde. Mais vous inquiétez pas. Là, ça m'a donné ça. Donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que là, je prends mon goupillon. Et là, je vais vers l'avant et je pousse la matière, en gros, on va dire vers l'avant, tu vois ce que je veux dire ou pas. En même temps, ça va pousser mes sourcils. Enfin, les poils que j'ai. Tu vois, Crary, tac, tac, tac. Donc, du coup, là, tout d'un coup, ça fait beaucoup moins. La ligne est beaucoup moins arche, tu vois. Et là, ce que je fais, c'est que je monte, je brosse mes sourcils vers le haut. Tu vois. Et vers le haut. Et ensuite, je vais vers là-bas, tac, tac. Tac, tac. Vous voyez, et là, mon sourcil, ça donne ça. Là, c'est très mims. En général, pour quand je vais fermer, quand je sors et tout, en général, ce que je fais, c'est que là, je vais cliner le bas et je vais cliner le haut. Mais là, comme c'est pour un vendredi soir, je n'ai pas le temps de faire ça. Parce que toujours pas, je ne le fais pas. Donc, du coup, là, je fais juste mon sourcil comme ça. En général, les gars, ils calculent pas trop. Tu vois, c'est juste histoire de me dire que j'ai un sourcil. Parce que, imagine le gars, il te regarde dans les yeux et tout. Et tu te dis dans ta tête que, comme quoi, ouais, le gars, il est en train de me regarder, mais j'ai pas de sourcil. Toujours pas, malaise. Enfin, malaise un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc du coup, voilà, c'est juste histoire de me dire que j'ai des sourcils et c'est comme ça que je fais mon sourcil. Quand je ferai une autre vidéo où je maquillerai vraiment, je vous montrerai comment je cligne en bas, comment je cligne au-dessus et comment je marque bien mon trou là. Comment je marque bien mon trou. Et vous verrez, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais bon, là, pour l'instant, on va dire que là, ça va nous suffire pour un vendredi soir. Mais tu vois, c'est un sourcil qui est plutôt cute. Je vais faire l'autre en off et je reviens tout de suite. Ok. Donc du coup, là, vous voyez, mes sourcils, ils sont à peu près, ils sont faits. Crary, en général, là, enfin, normalement, ce que j'aurais fait, là, j'aurais crary, j'aurais cliné ici. Et là, j'aurais cliné aussi ici pour que ce soit beaucoup plus, on va dire, droit comme j'aime bien faire. Et là aussi, je l'aurais moins cliné parce que du coup, enfin, je l'aurais pas trop cliné parce que crary, là, la queue, elle est comme j'aime bien. Pour les vendredis soirs, je ne me prends pas trop la tête sur mes sourcils, tu vois ce que je veux dire pas. Ok, maintenant que j'ai des sourcils et tout, ça c'est une étape que je vais faire, mais qu'en général, je vous dis la vérité, je ne fais pas. Enfin, c'est que je ne fais pas, mais c'est que je fais pas tout le temps, parce qu'il y a des gars qui ne méritent pas que je le fasse. Voilà. Au niveau de mes yeux, en général, ce que je fais, c'est que moi, j'adore qu'il y ait un peu de sparkle. Donc du coup, j'aime bien que Crary, en mode, quand je commence à fermer mes yeux, au cas où si tu sais Crary, quand t'as un fond d'œil, que tu commences à vouloir fermer tes yeux, et t'es en mode, ce que je veux dire ou pas. Bah du coup, en gros, j'aime bien qu'il y ait un peu de sparkle pour que Crary, en mode, quand tu regardes, quand la personne te regarde et tout, t'aimes bien que Crary, en mode, ça brille et tout, Crary, ce que je veux dire ou pas. En mode, vrai, c'est juste pour Crary, le style. C'est juste un effet de style, tu vois, c'est juste pour le style, c'est pas un truc de fou. Donc du coup, j'utilise cette palette là, excusez-moi, elle est en piteux état, mais bon, tu connais, quand tu utilises la palette, quoi. Il y a des fards qui sont quittés.
I'm sorry. De toute façon, la couleur que j'utilise, c'est celle-ci. Vous voyez très bien que là, le pan, il est pas, il est limite vide. J'utilise que ces couleurs-là. Je vais vous montrer ce que je fais. C'est pas ouf. C'est pas non plus dur. Et les gars, et bientôt, vous inquiétez pas, soon la vidéo où je lave mes pinceaux. I got you, I got myself. Vous inquiétez pas. Je mets pas de concealer, je mets pas de base à paupières, je mets rien du tout. Franchement, là, c'est vraiment histoire juste de. C'est juste histoire de, genre, ce que je vois pas. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que. Je sais pas, je pèse ma paupière. Et là, ce que je fais, c'est que je fais un semblant de cut crease. Un semblant, parce que vraiment, pour le coup, un semblant. Juste, je mets la couleur ici. Vous voyez ? Je la mets juste sur le haut de ma paupière. Et elle part un peu vers là-bas. Et je laisse tomber vers le coin externe. Vous voyez ce que ça fait ou pas ? Non, si. La lumière, je vous jure, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Je déteste quand ma luminosité elle fait ça. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc du coup là vous voyez que ça fait un petit rouge. Et je l'estompe. Je veux pas que ce soit trop pimenté. Je veux pas que ce soit trop too much. Je veux vraiment que ce soit un chouïa histoire de. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je veux vraiment que ce soit juste un espèce de. Juste une petite couleur sur ma paupière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça c'est vraiment une étape qui n'est même pas nécessaire. Mais moi je le fais vraiment quand le garçon en question, je le trouve une chose que je veux dire ou pas. Histoire de, tu vois. Parce que sur mes photos, j'ai toujours mon full make-up et tout. Et donc, du coup, je le fais vraiment au gars que je trouve mims. Je fais la même chose de l'autre œil. Toujours en mode vers là-bas. Je le ramène vers mon nez. La couleur, je l'estompe ici. Je pense que je joue pas. Toujours histoire de. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne juste un espèce de petit semblant de pigmentation. Je veux pas que ce soit too much. Je veux vraiment que ce soit. Comment on dit ça? Soft. Là, ce que je vais faire. Un peu de sparkles parce que. Quand le mec il mérite des sparkles, tu lui donnes un peu de sparkles, tu vois. Franchement, pour les paillettes, peu importe les paillettes que tu as, franchement, tu utilises. Il n'y a pas une paillette que je vais vous recommander plus qu'une autre. En gros, moi, tu utilises celle-ci de Etude House. Et c'est juste des sparkles, histoire d'eux. D'abord, moi, ce que je fais, c'est que je n'applique pas directement. Parce que quand tu appliques directement avec ça, là, avec l'applicateur, je trouve que tu as moins de contrôle, on va dire. Donc, du coup, j'en mets un peu sur. Bien sûr, excusez-moi, les paillettes, elles sont dorées. Donc, du coup, j'en mets un peu sur mon. Sur le dos de ma main, je prends un pinceau ou un doigt. Moi, en général, je fais avec mon doigt. Après, en fonction de comment vous vous sentez bien. Et voyez la partie où, en gros, là, j'ai laissé et que j'ai pas mis le fard. En gros, je vais mettre là juste au milieu de ma paupière. Je tapote, tac, tac, tac. Et j'en mets sur toute la paupière mobile. Je vais pas trop partout. Je remonte un tout petit peu, pas trop, je veux pas que ça se voit trop, je veux que ce soit vraiment un petit, juste un petit hit, un petit inch, je sais pas comment dire ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire, en fait. Tu vois pas, ça va juste un petit inch, je veux pas que ce soit tout ma chemin. Il faut que quand tu regardes droit devant toi, il faut que tu vois toujours les paillettes, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et c'est ça qui rend cute, donc du coup c'est ce que je fais. Après je refais la même chose de l'autre côté. Je mets bien au milieu de la paupière et j'estompe ensuite. J'estompe bien. Vous voyez, Farid, ça fait un soupçon. Ce que moi, je fais énormément et ce que moi, je trouve qui est super important, c'est le mascara. Parce que c'est le mascara qui va te donner ce regard de pétasse que on adore. Que Farid, en mode, dès que tu le regardes, pendant que tu pratiques, je sais pas, quelque chose de... Quand tu le regardes dans les yeux, je sais pas, je veux dire ou pas, pendant ce moment-là, c'est... Le regard, c'est très très important. Donc du coup, moi, je mets toujours un mascara. Franchement, vous prenez n'importe quel mascara que vous avez. Voilà. Je ne vais pas vous dire non plus quel mascara prendre. Vous prenez n'importe lequel, c'est un mascara, les gars. Et vous dédiez ça. Hein. Moi, en général, ce que je fais, c'est que le mascara, j'en applique beaucoup, juste à la fin de mes cils. Je n'avais pas en mode partout, je l'applique plus à la fin de mes cils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'en fais pas too much. Et j'en fais juste assez pour que Crary en mode je corresponde à mes photos et que surtout moi aussi je sois en mode de me dire que ouais là je sais que je vais être ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment aussi une histoire de. Enfin je sais pas. À l'ancienne, je vous dis la vérité, c'est qu'à l'ancienne, quand je dis à l'ancienne au début, quand je commençais on va dire les bails et tout, j'avais tellement peur que en mode la personne elle soit déçue de me voir que en gros je faisais des full make-up. Mais quand je vous dis des full make-up, genre des full make-up. Genre des phases de, en mode il faut absolument que je sois parfait, il faut absolument que je sois en mode beaucoup plus, même mieux que les photos parce que j'ai peur que Carré en mode quand il arrive et tout, il soit déçu ou que Carré je ressemble pas à mes photos. Tu vois ce que je vais dire ou pas? J'étais vraiment à cheval
sur mon apparence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au contraire, moi, je me souciais même pas de moi. Je me souciais beaucoup plus de lui qui va venir me voir, qu'il ne soit pas déçu, que de moi, je sois déçu si je le vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Limite, en mode, si la personne, elle venait, elle était dégueulasse, elle était schlag et tout, nanana, je m'en foutais. Il fallait absolument que, quand la personne, elle me voit, elle me dise qu'on croit que, ouais, carré, je lui plais, ou que, genre, en mode, je correspond à mes photos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelque part, j'avais archi besoin de cette validation, et c'était super important pour moi. Tu vois? Tout ça, je pense que tout ça aussi, ça a quelque chose à voir avec le fait d'avoir confiance en soi et tout, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça que pour vous dire, on voit que, à quel point, genre, la confiance en soi, elle peut avoir, un impact quelque part, partout. Pour pas mal de gens, les vendredis soirs, ça peut être genre inutile, mais pour d'autres gens qui souhaitent avoir des vendredis soirs, qui souhaitent être bien pendant leur vendredi soir, genre avoir confiance en soi, c'est super important. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va dire qu'au départ, c'est comme ça que genre j'essayais de faire en sorte d'avoir confiance en moi, en me maquillant full, en faisant plein de bails, en mettant mes dernières tenues et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas, des trucs comme ça, pour me dire comme quoi que ouais, là je sais que je slay et je sais qu'il va kiffer, tu vois. Mais là maintenant, en grandissant et en comprenant aussi la valeur surtout que j'ai, j'ai plus le temps pour tout ça. Tu vois, j'ai plus le temps pour tout ça. Et franchement, faut comprendre que même si j'ai fait un tuto make-up pour les vendredis soirs, faut savoir que c'est pas à chaque vendredi soir que je vais me maquiller. Non, pas du tout. Déjà, il faut déjà que moi-même j'ai envie de me maquiller. C'est comme un espèce de rôle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme un jeu de rôle. Quand je commence à me maquiller, ça veut dire que Carrie, en moi, je vais avoir une certaine attitude. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout ça, c'est une espèce de rôle que je peux mettre en pratique si j'ai envie. Tu vois, le mot-clé, c'est si j'ai envie. Tu vois? C'est pas en moi, je le fais parce que, voilà, il y a un gars qui m'a envoyé un message, il faut absolument que. Non. C'est plus comme ça dans ma tête. À l'ancienne, je vous l'avoue, je vous dis la vérité, c'est que à l'ancienne, c'était comme ça. Si un mec va m'envoyer un message pour venir faire les bails, et si il veut venir faire les bails, il faut absolument que je sois que ce soit à 4h du matin, même à 3h, même à 2h, il fallait absolument que je sois comme ça, que ce soit le jour ou pas. Mais là, on est grandi, c'est vraiment si j'ai envie. Si j'ai envie, si j'ai le temps, si j'ai la foi, ok? Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts pour un homme qui veut venir vous soulever. Non. Non. Genre, non, pas du tout, tu vois. Quand j'ai fait ce tuto, c'est vraiment pour ceux qui veulent. Faut vraiment pas que vous voyez ça comme une obligation. Même moi, voilà. Il y a des jours où, quand carré, la personne elle vient, quand je vous dis j'ai une tête, mon frère, j'ai des têtes, mon frère. Et genre, juste ce que je fais, je tamise un peu la lumière parce que. Non, je déconne. Non, en vrai, je déconne pas. Je déconne archi pas. C'est juste pour moi, c'est même pas pour lui parce que lui, je m'en bats les couilles. C'est comme si, genre, en mode, tu sors avec tes amis et tout, carré, en mode, je sais pas, tu veux être bien, en mode te dire quoi que ouais, être présentable, tu vois ce que je veux dire, c'est juste histoire, c'est juste ça là, ce sentiment, être bien dans ton corps en passant par cette espèce de d'apparence, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est juste comme ça. Faut pas que vous voyez comme si Carrie en mode j'essaie de plaire à l'autre, c'est juste moi aussi me dire qu'on voit que ouais, Carrie en mode je suis bien, tu vois. Je sais pas si vous voyez un peu le, si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que c'est le but, et je pense que de toute façon maintenant, vous devez comprendre là où je veux en venir parce que voilà, on est ensemble depuis un petit moment là, ça y est. We are in this together, together, forever, forever, everyone. Here is the final look. Qu'est-ce que vous en dites? En vrai de vrai, il n'y a pas grand chose. C'est juste pour que vous voyez que carré, mon teint, il mytho la perfection. J'ai des sourcils, même si carré là, je ne les ai pas super bien fait, mais j'ai des sourcils et j'ai un petit make-up look, je le jure ou pas, c'est pas un truc de ouf, mais c'est vraiment pour vous dire que je fais le strict minimum pour mes vendredis soirs parce que j'ai pas envie de tâcher mon lit, j'ai pas envie de faire tout mèche et surtout j'ai pas envie de perdre mon temps sur ça. Parce que pour un vendredi soir, ce qui compte, c'est le racata quinquin. Les gars, je vais vous avouer un secret, c'est que dans une de mes vidéos là, j'ai ça, j'ai ce look là, même plusieurs, je crois, j'ai ce look là. Juste après. La honte. Carré, je fais des vidéos et juste après, je me fais soulever. Vous rendez compte ou pas? Oh my god. Bon, you guys, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Je vous referai peut-être d'autres tutos de ce genre-là. Des tutos en mode peut-être un peu plus poussé. Parce que j'avoue que là, j'ai pas fait un grand make-up look. J'espère que vous attendiez pas un grand make-up look parce que pas du tout. Je vous referai peut-être d'autres tutos. Je sais que vous êtes pas mal à m'en demander, genre des tutos make-up et tout. Mais je vous dis la vérité, c'est que je me sens pas. Genre, je me sens pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que quand je suis tout seul et que je fais mes make-up et tout sans caméra et tout, j'ai beaucoup moins de pression que de faire un make-up tutoriel et tout devant ma caméra. Je trouve que ça demande trop de pression, genre ça me force à bien faire et tout, genre ce que je dis ou pas. Et moi je suis un mec, j'arrive même pas à refaire la même chose d'un côté de l'autre, donc voilà, je fais du mieux que je peux. J'ai beaucoup plus de facilité à créer des looks quand j'ai pas de pression sur moi
que quand j'en ai. Et la pression, c'est un peu vous. Genre, j'ai pas envie de vous montrer des trucs nuls ou des trucs pas beaux, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, vous, quelque part, vous faites un peu aussi pression. Mais bon, c'est une bonne pression. Ça me pousse à faire mieux les choses. Mais bref, voilà. Ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que c'est parti, vous allez revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Peace.